Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'IFDSP qui va être consacré à la loi santé au travail du 2 août 2021 et ses décrets, et plus spécialement aux dispositions qui vont venir intéresser les membres du CSE. Ce webinaire va être animé par Cédric Hébrard, ici présent, que je vais laisser se présenter dans un instant. Le webinaire va s'achever aux alentours de midi, midi et quart, en fonction des questions éventuelles que vous voudriez poser. Alors, vous pouvez peut-être interrompre dans la mesure du possible Cédric, y compris oralement, pour l'interroger, lui poser des questions, mais également, pour ceux qui le préfèrent, privilégier le chat et on s'efforcera de répondre à celles et ceux qui écriront sur le chat en prenant des temps sur le temps du webinaire pour répondre à vos questions éventuelles. Donc voilà, on va terminer vers midi, midi 15. Et je laisse la parole à Cédric et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Lucie Lou. Donc alors je suis un ancien représentant du personnel à la SNCF où j'ai eu divers mandats, donc notamment le mandat de mandaté au CHSCT, hein, où on traitait à l'époque les questions de santé, sécurité et conditions de travail. J'ai également eu des mandats à l'extérieur de l'entreprise. J'étais conseiller prud'homme à Nîmes, là où j'habite, et j'étais un temps président de ce conseil de prud'homme. Et donc j'ai repris mes études en droit social, j'ai un master 2 de Paris 1 et j'interviens régulièrement comme consultant, comme formateur auprès des représentants du personnel. Donc là, on va faire le webinaire d'aujourd'hui. Donc je vais partager un petit peu ma présentation. Le webinaire d'aujourd'hui est donc sur la loi pour renforcer la prévention de la santé. La loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Et l'idée, c'est, comme souvent en formation, comprendre pour agir. Je vous présente des slides qui sont des apports théoriques, hein, qu'est-ce que prévoit cette nouvelle loi. Et après, en quelques mots, bah, qu'est-ce qu'on peut en faire en tant qu'élu et pourquoi c'est intéressant de connaître ça. Donc, je ne vais pas faire le panorama de toute cette loi. Notamment, je crois que j'ai qu'une slide qui parle des évolutions des services de santé à l'entreprise, alors que c'est un point important de la loi. Mais parce qu'en tant qu'élu, je trouve qu'il y a d'autres points d'appui à mobiliser dans cette loi pour pouvoir agir au quotidien. Si je partage mon écran, petit souci technique. Voilà, hop, pour à la fois partager l'écran et faire avancer les slides. Donc, d'où vient cette loi santé au travail? Alors, comme souvent dans rapport, donc le rapport Lecoq, hein, ceux qui ont fait du droit du travail ont souvent entendu parler du rapport Vidermé dans les années 1850, je crois, ou 48. Voilà, donc là, un rapport Lecoq qui fait quelques propositions de revoir les structures, notamment de santé au travail, avec une nouvelle structure régionale, de revisiter la tarification accident du travail et maladie professionnelle. Vous savez que c'est un des points où plus l'employeur a d'accidents du travail, ou plus ils sont graves, plus il va cotiser. Et il voulait supprimer le DUERP. Le constat qui était fait, c'était que ce document unique, il vit peu, il y a peu d'entreprises qui en possèdent un ou qui l'ont à jour, etc. Puis il y a eu un accord national interprofessionnel en décembre 2020 qui avait été signé par la plupart des syndicats, sauf la CGT, je crois, qui faisait un focus sur les risques psychosociaux et leur lien avec l'organisation du travail, qui créait notamment un passeport de prévention attestant les formations en santé sécurité des divers salariés, avoir une traçabilité et qui reprenait ce passeport. C'est l'idée, vous savez, d'avoir des droits qui soient attachés à la personne du salarié et pas à son statut. C'est-à-dire que quand je suis dans une entreprise, on me fait faire une formation secouriste, une formation incendie, mais lorsque je vais dans une nouvelle entreprise, eh ben, on ne tient pas compte des formations que j'ai pu suivre avant et on me fait repartir à zéro parce que je suis un nouvel salarié, etc. Ben, si j'ai suivi des formations dans ce domaine-là, ben, ça peut m'accompagner, etc. Et ensuite, donc, une proposition de loi de deux députés LREM et cette fameuse loi qui a été adoptée le 2 août 2021 et qui est entrée en vigueur. Il y avait beaucoup de points qui étaient décalés et qui sont entrés en vigueur au 31 mars dernier. Il y a eu pas mal de décrets d'application en mars. Ils continuent à en avoir en avril. Et puis, il y a notamment sur le document unique, par exemple, je vous présenterai ça, il y a des points qui vont rentrer en vigueur en 2023, etc. Donc, une entrée en vigueur progressive des dispositions. Alors, pour ce webinaire, on va avoir plusieurs temps. On va parler un temps sur le document unique, diverses mesures, hein, j'ai regroupé sans avoir de titre.
On va parler ensuite du harcèlement sexuel, des évolutions de la définition du harcèlement sexuel, des mesures qui sont là pour lutter contre la désinsertion professionnelle, et puis après avoir un petit temps de questions-réponses. Alors comme l'a dit Lucie Lou, hein, si vous êtes moins nombreux, on peut aussi faire ça de façon interactive. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat pour que j'y réponde au moment où on clôture un tel. Alors je commence sur le document unique. Alors, le document unique, donc, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il fête ses 20 ans, ça apparaît début des années 2010, non, pardon, début des années 2000, et le constat, c'est que encore dans beaucoup d'entreprises, hein, même dans des grandes entreprises, moi, quand je fais des formations auprès des élus du CSE, quand je me mets à parler du document unique, je vois toujours les élus qui me disent, oula, on ne sait pas trop où il est, ou alors les services RH d'entreprise qui me disent, ah, mais il n'est pas à jour, on doit le refaire, etc. Donc, en fait, beaucoup d'employeurs et beaucoup d'élus voient ça comme une obligation documentaire et ne voient pas comment ça peut être utilisé comme un outil pertinent qui permet d'avoir un support de dialogue social avec l'employeur sur ces questions-là. Ce nouvel article L4121-3-1 ben, renforce la place du document unique, hein, au contraire du rapport Lecoq qui voulait le supprimer. Ben, on dit ben non, on va pas le supprimer, et puisqu'en tout cas on partage le constat qu'il est mal utilisé, on va renforcer sa place. Et donc le Code du travail vient nous dire que désormais c'est bien inscrit dans la loi, c'est pas juste une finalité d'évaluation des risques, c'est aussi hiérarchiser ces risques pour pouvoir avoir des priorités d'action. Il y avait certains syndicats qui contestaient, hein, dans le document unique, vous savez qu'il y a souvent cette notion d'évaluation, puis une notion de cotation, hein, quelle est la fréquence d'exposition au risque, quelle est la gravité potentielle des dommages, etc. Et certains syndicats contestaient en disant, ben, il y a une obligation d'évaluer les risques, mais pas forcément de les coter, de les hiérarchiser, etc. Et donc, comme dans toutes les entreprises, avec ces cotations, on fait apparaître des risques, certains sont la ligne est en vert, d'autres la ligne en orange et en rouge, et le Code du travail nous dit, évaluer un risque, c'est aussi coter et pouvoir hiérarchiser les risques entre eux, avec cette double obligation, agir sur tous les risques, mais agir en priorité sur les risques qui sont plus flagrants, hein, ceux sur lesquels il y a moins de mesures de prévention, ceux auxquels les salariés sont les plus exposés, etc. Double finalité du document unique désormais, on nous dit que ça ne sera pas seulement cet aspect de cotation et d'évaluation des risques, mais c'est aussi d'assurer la traçabilité collective des expositions aux risques. Alors l'exemple qu'on peut donner, vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du problème du chlordécone aux Antilles, donc ce pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies de façon massive, c'est un pesticide dont on sait maintenant comme d'autres pesticides d'ailleurs, qui favorisent le développement de cancers de la prostate, mais aussi de cancers qui toucheraient aussi les femmes, hein, parce que ils sont reconnus comme maladies professionnelles désormais ces cancers de la prostate, mais il y a d'autres cancers qui seraient concernés. Et en fait, ben, ces salariés-là, maintenant qu'on dit, ben oui, depuis l'année dernière, ça peut être reconnu comme maladie professionnelle, mais voilà. Alors, on ne crée pas une fiche personnelle d'exposition à risque, comme il peut y avoir dans la fonction publique, mais l'employeur, désormais, à chaque fois qu'il modifie son document unique, il doit garder une trace et il va garder ce document unique pendant 40 ans. Donc, c'est trop tard pour savoir, dans les années 80 ou les années 90, est-ce que j'ai été exposé au chlordécone, à l'amiante, ou etc. Mais désormais, à partir d'aujourd'hui, puisque l'employeur va conserver ce document unique, lorsqu'il y aura des contentieux en 2030, en 2040, oui, ben, à l'époque, mon employeur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il m'a mis des... Par exemple, sur le Covid, à partir de quand il m'a mis des masques à disposition? À partir de quand il m'a mis du gel hydroalcoolique à disposition? Sur ce risque-là, à partir de quand on a considéré que c'était un risque ou pas? On voit bien que ce qui est culturel et admis à une certaine époque ne l'est plus à une époque différente. Et des fois, on a besoin de savoir qu'est-ce qui était fait. Si je vous parle de la cigarette, hein, on rentre dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, on ne voit pas des gens qui ferment dans leur bureau. Ce n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Et des personnes qui développent des cancers en raison du tabagisme passif, si elles veulent pouvoir dire, ben, c'est la faute de mon employeur parce que j'ai subi ce tabagisme passif, ben, on ne sait pas à l'époque. Jusqu'en quelle année on a interdit la cigarette dans l'entreprise, est-ce que c'était respecté, qu'est-ce qu'il y avait comme mesure de prévention, ben voilà. Avec cette idée donc, de traçabilité désormais, de pouvoir suivre les conséquences d'exposition au risque, même quand je ne suis plus dans l'entreprise, si je développe des maladies à long terme.
donc de façon dématérialisée. Hein. En fait, c'est des questions pratiques, c'est-à-dire que si l'entreprise a fermé dans 40 ans, comment je fais pour aller retrouver le document unique? Donc, c'est pour ça qu'il y a des décrets d'application qui vont venir préciser ça, qui doivent préciser aussi qui pourra y avoir accès. Est-ce que les retraités, est-ce que les personnes licenciées, quelle instance, le médecin du travail, etc., qui pourra précisément avoir accès aux documents uniques. Mais l'idée, c'est qu'il y ait des entreprises, hein, dont c'est déjà le métier, qui soient habilitées pour pouvoir conserver ces documents et que même si l'entreprise est liquidée, est rachetée, ben, je peux savoir dans 30 ans quelle était la forme de mon document unique en mai 2022 dans telle entreprise, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a une entrée en vigueur qui est décalée. Pour les entreprises d'au moins 150 salariés, donc plus de 150 salariés, ça rentrera en vigueur au 1er juillet 2023, la conservation dématérialisée. Et pour les entreprises de moins de 150 salariés, donc qui sont censés avoir plus de difficultés pour trouver un prestataire, pour dématérialiser la conservation et l'archivage de leur DURP, c'est décalé au 1er juillet 2024. Mais un décret est venu nous préciser, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, qu'un décret est venu préciser qu'en entendant ces dates, donc ça, c'est l'obligation d'avoir pris un prestataire ou un système d'archivage, mais en attendant ces dates, pardon, eh bien, les entreprises ont l'obligation de conserver en interne les différentes versions du document unique. Et lorsqu'on arrive à ces dates-là, eh bien là, il aura fallu mettre en place les dispositions qui seront précisées par décret d'ici là. Sur la loi santé, donc bien nous préciser aussi que le DURP va avoir d'autres contributeurs que l'employeur. Donc il y a aussi d'autres contributeurs qui pourront faire des propositions pour pouvoir modifier le document unique d'une entreprise. Donc le service de prévention et de santé au travail, hein, la médecine du travail, hein, c'est service plus large désormais, va recevoir le document unique à chacune de ses mises à jour et pourra faire des propositions. Hein. L'idée, c'est que vous savez que le médecin du travail, il a ses propres obligations documentaires. Donc, il a notamment une fiche d'entreprise qui est la connaissance qu'il a des risques auxquels sont confrontés les salariés dans cette entreprise. Eh bien, désormais, à chaque fois que l'employeur modifie son document unique, le médecin du travail, donc le service de prévention de la santé en entreprise, reçoit ce document unique modifié et peut faire un aller-retour avec ce que lui, il a constaté dans les visites médicales ou dans ses visites de terrain pour voir si la connaissance qu'a le médecin est la même connaissance que celle qu'a la connaissance des risques qu'a le médecin, la même connaissance des risques qu'a l'employeur, pouvoir confronter un petit peu via ce document. Et du coup, le médecin du travail peut faire des propositions en disant ben, « Vous dites là que vos salariés... ne sont pas exposés aux troubles musculo-squelettiques, mais moi, les salariés que je reçois en visite, eh bien, ils ont des problèmes de dos, ils ont ceci, cela, donc le risque est plus grave que ce que vous pensez, ou il faudrait telle mesure de prévention. Dans le document unique, vous dites que vous leur mettez ça à disposition, mais je vois que les salariés ne savent pas l'utiliser, donc il faudrait les former, etc. etc. » Voilà. Un aller-retour dans ce document unique qui n'est pas simplement les risques, leur cotation, mais aussi quelles mesures de prévention mettre en œuvre. On nous dit également que d'autres contributeurs pourront intervenir. Donc, la Sécurité sociale, dans ses différents noms selon les territoires, hein, CRAMIF en Ile-de-France, CARSAT en province, et CGSS dans les DOM-TOM, mais aussi l'INRS, l'OPPVTP, l'ANACT, différents organismes qui, lorsqu'ils interviennent dans l'entreprise, pourront faire des préventions, hein, c'est expressément prévu. Et donc, un autre contributeur important désormais du document unique, on arrive à vous, c'est le CSE. Oui, Cédric, excuse-moi, je t'interromps, juste parce que c'était le slide précédent. Il y a une question de Thomas dans le fil de conversation qui nous demande si la traçabilité que tu évoquais tout à l'heure, ça signifie que l'entreprise doit garder les noms des salariés, donc surtout sur la présence du nom des salariés visés par un risque dans le document unique. Donc là, je te laisse répondre là-dessus sur la question. Non, en fait, le document unique, c'est pas… Alors, c'est là un petit, c'est pas une fiche d'exposition personnelle au risque. Donc c'est pas Thomas Védis qui est exposé à tel risque, etc. En fait, dans le document unique, l'employeur doit créer des unités de travail. Mais il n'y a pas de définition exacte de l'unité de travail. Alors, dans certaines entreprises, quand on est multisite, chaque site est une unité de travail. Dans une entreprise qui est où il y a plusieurs métiers, eh bien, on va avoir les ouvriers de l'usine, ça va être une unité de travail, les commerciaux, une autre unité de travail, et puis les ingénieurs dans un bureau, une autre unité de travail, puisqu'on ne sont pas confrontés chacun au même risque. Donc, il n'y a pas l'obligation d'avoir par salarié la liste des risques. Donc, le document unique, c'est un document qui est anonyme. Hein.
On ne dit pas qu'un tel a été exposé à tel risque. En fait, le salarié qui voudrait se servir de ce document pour faire reconnaître une maladie professionnelle, il faudra qu'il ait son contrat de travail. Voilà quelle tâche je faisais dans cette entreprise. Et le document unique, quand on faisait cette tâche, le document unique va dire que ceux qui sont ouvriers à la production, ils sont exposés à tel produit chimique. Et moi, avec mon contrat de travail, je montre que j'étais ouvrier à la production. Eh bien, les deux se recoupent et on voit que puisque vous étiez ouvrier à la production, vous avez été confronté à tel produit chimique, etc. Donc, je vois la question de Nathalie. Qui dans l'entreprise peut demander à consulter le document? En fait, dans l'entreprise, il y a les élus ont accès au document pour leur périmètre d'élu. C'est-à-dire que si je suis élu dans une entreprise qui a un CSE national, et moi, je peux connaître toutes les unités, je peux consulter le document unique pour toutes les unités de travail. Donc ça, c'est si je suis élu. S'il y a un CSE central et que moi, je suis un CSE d'établissement de l'antenne en province à Toulouse, je suis au CSE de Toulouse, je peux avoir accès qu'au document unique de Toulouse. Et c'est ceux du CSE de Strasbourg qui ont accès, etc. Et puis ceux qui sont au CSE central qui ont accès à toute la France. Donc ça, c'est par rapport à mon périmètre d'élu si je suis élu. Si je ne suis pas élu, en tant que salarié, j'ai accès au document unique pour l'onglet qui concerne mon unité de travail. Donc, si je suis représentant, si je suis ingénieur et que je ne vais jamais à l'usine et que je suis toujours dans les bureaux, je vais avoir accès aux risques qui me concernent et pas aux risques qui concernent d'autres unités de travail de l'entreprise. Et donc, sur les représentants de proximité, c'est que les représentants de proximité, ils sont mis en place par accord d'entreprise. Et donc, tout dépend. Est-ce qu'on vous a délégué des missions en santé, sécurité, conditions de travail? Si on vous a délégué des missions en santé, sécurité, conditions de travail, même infimes, vous aurez accès à ce document pour le périmètre qui vous concerne. Si on vous a délégué aucune mission en santé, sécurité, vous aurez accès que pour votre unité de travail, les risques qui vous concernent. Et donc, ça, dans l'entreprise, il faut le demander soit au service, si vous êtes élu au service ressources humaines ou à votre interlocuteur lors des réunions d'instance. Sur les représentants du personnel, est-ce qu'ils peuvent représenter une unité de travail? En fait, le découpage des instances, c'est une chose, et le découpage en unité de travail, c'est autre chose. Alors, effectivement, il y a des entreprises où ça peut se recouper, mais comme je l'ai dit, vous pouvez être, par exemple, représentant du personnel à Toulouse, alors qu'à Toulouse, il y a à la fois des ingénieurs, des ouvriers, des commerciaux, etc. Et si l'employeur a dit, je fais des unités de travail ingénieurs, commerciaux et ouvriers, vous pouvez être élu pour toutes les unités de travail, etc. Donc ça, c'est deux périmètres qui sont distincts. Allez, hop, je reprends un petit peu le cours. Donc, j'étais passé à la suite. Attendez, excusez-moi. Oui, donc je disais, véritablement, désormais, vous pouvez apporter votre contribution à l'évaluation des risques. Jusqu'à présent, il y avait un flou, c'est-à-dire que l'employeur, c'est lui qui organise le travail, c'est lui qui doit évaluer les risques, et donc il disait, le document unique, c'est à ma main, c'est moi qui établis le document unique, je vous en informe, vous pouvez le consulter, et donc, par exemple, après les inspections régulières d'analyse des risques a priori, il y avait des élus qui interpellaient l'employeur, en disant, dans le document unique, on a vu que quand même, la personne qui était à l'accueil, c'est elle qui réceptionnait tous les colis, donc elle portait du poids, on n'a pas identifié le risque TMS pour elle, donc il faudrait l'intégrer, enfin, etc. Donc, il y avait des allers-retours, des propositions qui étaient faites, mais le CSE n'était pas reconnu comme un contributeur. Lui, il était reconnu comme quelqu'un qui peut contrôler le document unique et émettre des propositions. Là, on le reconnaît comme un véritable contributeur. En fait, dans la pratique, il y a beaucoup d'entreprises qui associent leurs élus. L'idée, c'est que le constat du risque, il ne fallait pas que ça soit un enjeu de tension. C'est est-ce que faire ceci est dangereux ou pas? Il faut qu'il y ait un constat commun. Et après, là où il peut y avoir divergence, c'est comment je fais pour réduire ce risque. Mais en tout cas, nous dit le législateur, désormais, on reconnaît dans la loi le fait que le CSE contribue à l'évaluation des risques. Et ce que vous faites quand vous faites vos inspections, c'est vraiment pour être incrémenté au sein de ce document. Et donc, pour aller plus loin, on a créé une obligation de consultation. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort. Vous allez être consulté désormais sur le document unique et sur toutes ces mises à jour. Parce qu'en fait, nous dit le Code du travail, le document unique, il est mis à jour au moins une fois par an
et à chaque fois que le risque évolue. Et en fait, dans une entreprise, on l'a vu avec le Covid, par exemple, le Covid arrive, dès le mois de février-mars, les premiers confinements, en 2020, il fallait mettre en place une évolution du document unique. Quand on fait des formations en 2021 et que je vois des entreprises qui n'avaient toujours pas intégré le risque Covid dans leur document unique, ben, ça n'allait pas. Non, il faut intégrer, dès qu'il y a un risque qui apparaît ou un risque qui évolue, il faut mettre à jour le document unique. Et vous voyez que je suis, par exemple, je travaille dans un EHPAD, je suis aide-soignant et donc je manipule des personnes âgées, des résidents, je les passe du lit au fauteuil. Donc, ce risque de troubles musculo-squelettiques est présent dans le document unique. Mais si l'employeur estime qu'il y a beaucoup d'accidents et il nous fait faire une formation gestes et postures, bien, le risque est modifié puisqu'il est mieux maîtrisé, puisqu'il y a une mesure de prévention. Et donc, ben, dès que la mesure de prévention a été mise en œuvre, le document unique doit être modifié. C'est-à-dire qu'il y a un risque qui est évalué d'une certaine façon avant la formation gestes et postures. On fait la formation gestes et postures en septembre. Au mois d'octobre, ce risque est évalué différemment parce qu'il est mieux maîtrisé. Et donc, ben, il faut modifier le document unique et donc consulter le CSE. Et c'est là où vous allez dire, ben oui, vous estimez que désormais, il va falloir, le risque est mieux maîtrisé. Et vous allez dire, ben oui. Ou alors non, c'est pas parce qu'on a fait un jour de formation. Une fois, je suis intervenu dans un EHPAD, les dames me disaient qu'elles avaient fait une formation gestes et postures en e-learning. On leur a montré des vidéos comment il fallait manipuler un résident, puis elles cliquaient, c'est bon, c'est pas bon. Elles me disent, bah, déjà, les anciennes me disent, bah, déjà, quand on le faisait entre nous, quand je manipule ma jeune collègue Pauline, elle se laisse faire, etc. Puis après, quand je dois attraper Madame Michu, qui fait 90 kilos, c'est autre chose, quoi. Elle se laisse aller, voilà, c'est plus compliqué. Donc, hein, ou quand on fait du secourisme, quand on le fait à deux stagiaires, c'est d'une façon, mais si vraiment je passe un accident de la route, je devais traîner quelqu'un par les pieds, ça serait plus compliqué. Donc là, voilà, le e-learning, ça allait pas. Donc, si l'employeur dit, bah, maintenant que vous êtes formé, ça va mieux, le risque est moindre, eh ben, elle pourrait dire non, lors de la consultation, avis défavorable pour qu'on mette que ce risque est mieux maîtrisé parce que la formation n'était pas suffisante, elle n'était pas assez pratique, pas assez longue, etc. Donc, vous voyez que là, à mon sens, il y a une petite bombe à retardement parce que ce document unique, mais c'est un peu l'esprit du législateur. Hein. C'est que dans les entreprises, je vous disais, la moitié des entreprises ne le font pas évoluer chaque année, hein, alors qu'elles devraient le faire évoluer au cours de l'année, elles ne le font pas. Et donc, ben, on vous donne ce rôle un petit peu, vous allez être un peu le poil à gratter. Et à chaque fois qu'il y aura une formation, un casque qui a été commandé, un nouveau risque qui apparaît, que vous avez détecté parce que les salariés vous ont interpellé ou parce que vous êtes allé sur le terrain lors de vos inspections, eh bien, il faudra que le secrétaire, si l'employeur omet de le faire, il faudra que le secrétaire demande à être consulté. Et vous voyez que ce document qui était une obligation documentaire, je vois beaucoup d'entreprises où il a été mis à jour il y a 3 ans, on le refera peut-être l'année prochaine. Non, il faut que ça soit un document qui, au fil de l'eau, tiennent compte de la réalité de la cartographie des risques. Et Romane, je vais arriver à ton point. Je vois ta question sur les risques psychosociaux, c'est une des slides ensuite. Donc, vraiment, votre rôle, ça, hein, d'être le poil à gratter de votre employeur sur le document unique, c'est quelque chose qui doit être vivant. Et donc, est-ce que le DURP devra contenir les risques liés à l'organisation du travail? Vous savez qu'en droit social, hein, il y a un enjeu sur les mots. Souvent, l'exemple que je donne pour faire sourire, c'est que quand on licencie beaucoup de personnes, ça ne s'appelle pas un plan de licenciement massif, ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a plein d'exemples comme ça où on a des noms qui sont donnés, mais qui sont un peu pas intuitifs. Et donc, les risques liés à l'organisation du travail, les risques organisationnels, quels sont-ils? En fait, les premiers psychologues du travail qui ont parlé de risques organisationnels, les employeurs ont dit « Ah ben, c'est intéressant votre question, mais… » Les risques organisationnels, c'est pas bon comme nom, parce que ça donne l'impression que c'est nous, employeurs, parce que c'est nous qui organisons le travail, que c'est nous qui créons des dommages aux salariés, etc. Non, il faut trouver un autre terme. Et donc, ben, les psychologues du travail, on dit, ben, ça va s'appeler les risques psychosociaux. Alors qu'en fait, les risques psychosociaux, à l'origine, ça devait avoir pour nom les risques organisationnels. C'est l'organisation du travail, l'organisation du management, le nombre de réunions, la charge de travail, la façon dont est organisé le travail qui fait peser un risque sur mon psychisme. Les dernières études là, que j'ai vues passer, en février-mars, 50 pour un salarié sur deux se trouve en souffrance psychologique au travail. C'est des chiffres qui sont énormes. C'est vraiment un sujet qu'on doit prendre à bas le cœur. Et donc ben là, nous dit le Code du travail, ben, ces risques-là, ça doit être aussi dans le document unique d'évaluation des risques. Et il y a eu besoin de le repréciser. Parce qu'encore une fois, quand je vais dans les entreprises, oui, le bruit, hein, Corinne, tu poses une question sur le bruit, donc oui, le bruit dans un open space, ça doit être dans le document unique. Le risque chimique, tous ces risques-là, bien maîtrisés, on les avait dans le document unique. Après, les risques psychosociaux, bien, même dans les documents uniques qui étaient bien faits, on avait du mal à les trouver. Alors,
pas que par mauvaise volonté de l'employeur, parce qu'aussi, les risques psychosociaux, il faut les évaluer différemment. Dans l'industrie, on sait très bien évaluer le risque chimique, combien de fois je manipule le produit par jour, qu'est-ce que ce produit peut entraîner comme lésions, est-ce qu'elles sont mortelles, est-ce que c'est brûlé à tel niveau, etc. Enfin, voilà, tout ça, c'est très bien quantifié, mais sur les risques psychosociaux. Quand c'est que je suis exposé au risque? Les jours où je vois mon manager, les jours où j'ai des réunions d'équipe, si je suis avec mon collègue dans le bureau, c'est en permanence. Donc, cette notion de gravité du risque, qu'est-ce que c'est les risques psychosociaux? Forcément, ça peut aller jusqu'au suicide, donc c'est un risque mortel. Enfin, il y avait du mal à positionner la grille d'analyse des autres risques sur les risques psychosociaux. Alors, l'INRS ou d'autres donnent des exemples sur la façon d'évaluer ces risques-là. Hein. C'est des choses qu'on voit en formation, que je ne vais pas développer là. Mais en tout cas, même si c'est difficile de les évaluer, il faut les évaluer. Alors ça, je donne le côté un peu avocat du diable des employeurs, mais la vraie raison, c'est aussi, si j'évalue les risques, je vais évaluer mes propres failles en tant qu'employeur. Je vais évaluer le fait que mes managers sont un peu trop agressifs, je vais évaluer que je n'ai pas assez de personnel et que je surcharge en travail tout le monde, etc. Donc, il y a des employeurs qui avaient un peu de mauvaise volonté à évaluer ces risques-là. Eh bien, non. On nous dit désormais, il faut évaluer tous les risques liés à l'organisation du travail. Donc, quand on aura fini à midi, vous irez regarder votre document unique. Et s'il n'y a pas d'aspect sur les risques psychosociaux, vous devrez obliger l'employeur à mettre dedans et en mettant à l'ordre du jour une consultation pour l'insertion des risques psychosociaux dans le document unique. Et Corinne, tu nous dis le bruit dans les open space, bien sûr. Je vais mal positionner ma fenêtre. Oui, c'est un risque, le bruit dans les open space. Avec ce qu'on voit en formation, c'est que le bruit, par exemple, il y a des aspects, pour beaucoup de risques, il y a des aspects qui sont objectifs et des aspects subjectifs. C'est-à-dire que l'aspect objectif, c'est il y a 70 décibels, 60 décibels dans le bureau. Et les aspects subjectifs, c'est que quand on était étudiant, certains, ils se mettaient la musique à fond pour pouvoir se concentrer. Et puis d'autres, il fallait un silence absolu. Donc, on n'a pas tous le même rapport au bruit. C'est les variations inter-individuelles et même des variations intra-individuelles. Quand j'avais 20 ans, je mettais la musique à fond. Et puis maintenant que j'en ai 45, je préfère travailler dans le silence. Donc, tout ça, justement, c'est des questions qu'on doit poser aux salariés. Et dans l'évaluation du risque, ce n'est pas juste dire il y a 60 décibels, c'est bon, je n'ai pas d'obligation de mettre un casque. Non, s'il y a 60 décibels, mais que ça gêne tout le monde, eh bien, c'est un risque dont il faut tenir compte selon les métiers, si j'ai besoin de collaborer ou pas, etc. Bon, je ne fais pas la formation là-dessus, encore une fois, je reviens sur mes slides, mais oui, il faut que ce document, il faut vraiment que vous appreniez à le lire, que vous en imprégniez, parce qu'en fait, c'est la première étape. Souvent, on me dit, oui, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, si le risque n'est pas identifié dans un document, quand vous allez faire des mesures de prévention, Corinne qui nous parle du bruit dans les open space, si elle dit en ordre du jour du CSE, il faudrait qu'on mette en place des dalles au plafond qui puissent insonoriser, etc. L'employeur va dire, mais pourquoi je vais faire ça? Ce n'est pas un risque que j'ai identifié dans le document unique. Donc, il vaut mieux travailler en deux temps. Premier temps, les risques, le risque bruit dans l'open space, je l'incrémente dans le document unique. À partir du moment où c'est le document unique, l'employeur doit agir dessus. S'il ne le fait pas ou s'il le fait mal, eh bien, moi, je fais mes propres propositions, mettre des dalles insonorisantes ou mettre des micros et casques mieux réglés quand je passe des coups de fil, ou, etc., etc. Hop. Est-ce que vous connaissez le PAPRIP Act? Dans le chat, dites-moi si vous connaissez ça. Non. Alors, le PAPRIP Act. Alors, c'est un document. Alors, je vais dire d'abord qu'est-ce que ça signifie. Donc, programme annuel de prévention des risques et de risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. En fait, c'est la suite du document unique. Dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, je fais la cartographie de tous les risques qui existent. Et bien, à partir de là, maintenant, j'ai l'obligation de traiter ces risques. Alors, le PAPRIP Act, ça existait déjà. L'employeur devait, pour chaque mesure qu'il programmait son plan d'action, il devait préciser les conditions d'exécution, comment ça va se passer, il devait dire à peu près le coût. Mais désormais, c'est légalement corrélé. C'est au niveau de la loi, on nous dit bien que les résultats de cette évaluation débouchent sur un programme annuel. C'est-à-dire que, vous voyez que dans les entreprises où on faisait une fois tous les 3 ans le document unique et puis on me disait, il n'est pas à jour, on l'a fait il y a 3 ans, on le refera dans 1 an ou 2, eh bien non. Puisque chaque année, à partir de cette évaluation et de ma cartographie, je dois déboucher sur un programme annuel. Donc, il y a vraiment un lien entre ce que je constate et les actions que je mets en place de remédiation.
Donc, tu vois, Corinne, si ton employeur, il n'a pas constaté que dans le document unique, il y avait le risque bruit, il ne mettra jamais en place de solution pour remédier à ce risque, puisque ce n'est pas un risque qu'il a identifié. Donc, la première bataille, c'est d'incrémenter le risque. Et bon, je vois qu'il y a des arguments, mais encore une fois, ça, c'est quand on fait la formation un peu plus longue, on va voir justement qu'est-ce qu'on peut mobiliser. Par exemple, là, ça pourrait être mobiliser le médecin du travail. Est-ce que c'est un risque? C'est-à-dire que discuter, est-ce que c'est un risque? Quelle solution on a? Si on mélange les deux, l'employeur, il ne veut pas que ça soit un risque parce qu'il ne veut pas aller vers les solutions que vous proposez. Et donc, il faut déconnecter ça. D'abord, on évalue le risque et ensuite, dans un second temps, on verra comment on remédie à ce risque. Hop. Il doit désormais en plus, donc ça, c'est la nouveauté de la loi santé, hein, c'est ça le thème, il doit désormais en plus contenir un calendrier de mise en œuvre. Moi, je vois, par exemple, il y a des tartes à la crème dans les documents uniques, le risque routier. Ah, ben, je vais former mes commerciaux à la conduite, je vais leur faire des stages de conduite. Bon, ben, ok. Et les stages de conduite, c'est quand? Ah, ben, quand on aura le temps, etc. Non. Si vous décidez qu'il faut former à la conduite vos commerciaux parce qu'ils font 60 000 km par an, eh bien, vous devez mettre en place un calendrier. Alors, on comprend bien que tous vos commerciaux, si vous en avez 1 000 sur la France, ne vont pas partir en formation au second trimestre 2022, mais vous devez nous dire comment vous comptez faire ça. Sur 5 ans, un plan pluriannuel, et les 200 qui font le plus de kilomètres, eh ben, ils vont y passer au deuxième semestre 2022, puis en 2023, ça va être la suite, ou etc. Donc, il va falloir planifier, mettre en place un calendrier. Vous voyez, ça, c'est souvent un problème que vous rencontrez avec vos employeurs. C'est-à-dire que, allez, ils lâchent le morceau, ok, on va le faire, et puis vous, vous revenez tout le temps, oui, mais quand c'est qu'on va le faire, où on en est tel truc? Non, maintenant, il faut prévoir un calendrier. Alors, la question, c'est... c'est pas une obligation, mais vous voyez que ça fait un point d'appui. Si l'employeur vous dit bah, « je vais le faire au mois de juin », qu'il ne le fait pas, qu'il vous dit « je vais le faire au mois de juillet », etc., eh bien, c'est vous devez l'obliger à… Il n'y a pas d'obligation de faire quand j'ai dit que je ferai, mais ça vous donne des arguments de discussion sur ces situations-là. C'est-à-dire que des fois, un employeur, il vaut mieux qu'il vous dise « bon, ok, je n'ai pas le budget cette année, je vais le mettre, c'est un budget conséquent, je vais le mettre sur le budget 2023 et je ferai l'année prochaine ». Au moins, vous n'êtes pas là tous les mois, en juin, juillet, août, septembre, et où on en est des formations, quand c'est qu'on va les faire. Non, il vous répond directement qu'il va les faire l'année prochaine, etc. Il doit aussi contenir, ce PAPRI Pacte, désormais, les ressources de l'entreprise mobilisables. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je vais faire une formation » ou « je vais acheter tel matériel ». Ok, bah, combien ça va coûter? Ça va être pris sur quel budget? Et qui vont être les personnes qui vont être en charge de ça? Est-ce que c'est le service formation? Est-ce que c'est les managers qui devront organiser ça? Est-ce que c'est une formation qu'on va faire en interne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va prendre en prestataire? Voilà, je dois commencer à rentrer dans la mise en œuvre. Hein. Comment ça va être mis en œuvre? Ce n'est pas juste une intention, c'est concrètement, voilà comment ça va se faire. Hein. Qui c'est, en fait, souvent, c'est les questions que vous posiez qui étaient déjà. Hein. Qui c'est qui va être en charge de ça? Combien ça va coûter? Vous voyez bien que si l'employeur ne vous dit pas qui c'est qui est en charge de dossier, eh bien vous n'avez personne à interpeller. Si l'employeur vous dit ben, c'est formation, c'est un tel qui va s'en occuper, eh bien, avant la réunion du CSE d'après, ben, vous pouvez interpeller un tel. On t'a bien dit que c'est toi qui t'occupais de ça, quand c'est que tu vas le faire, etc. etc. Il y a quelqu'un à qui soumettre vos questions. Et il doit en plus contenir des indicateurs de résultats. Donc, vous voyez que vous avez identifié le risque bruit. Il y a beaucoup de salariés dans cet open space qui se plaignent du bruit, etc. L'employeur va mettre en place un aménagement de l'espace, etc. Eh bien, il fait ça. Qu'est-ce qu'il attend comme résultat? Est-ce qu'il y a 2 fois moins de salariés qui se plaignent du bruit? Donc ça serait un résultat subjectif. Est-ce que ce qu'il veut comme résultat, c'est de passer de 60 décibels à 50 décibels? Il doit vous dire pourquoi il fait les choses. Je reprends dans mon EHPAD, on va former les aides-soignants gestes et postures, passer un résident du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Eh bien, l'objectif, c'est que d'ici un an, on ait moins d'accidents du travail ou moins de maladies professionnelles, etc. Vous voyez que quand on réfléchit à une action à mettre en œuvre face à un risque, l'employeur doit se poser la question ben, comment ça va impacter ce risque-là? Est-ce qu'il y aura moins d'accidents? Est-ce que les dommages seront moins importants? À quoi ça va servir? Dans les indicateurs, alors, la loi n'est pas parfaite, hein, mais dans les indicateurs de résultats, il y a des indicateurs qui sont moins intéressants que d'autres et les employeurs vont s'agouffrer là-dessus. Donc, par exemple, ça va être, s'ils vous disent, et si ça serait légal, hein, mais vous, à vous de batailler pour pas que ça soit ça les seuls indicateurs, s'ils vous disent, moi, j'ai pour objectif de passer 100% des aides-soignants en formation, c'est un indicateur de résultats, vous voyez qu'il n'est pas pertinent par rapport au risque.
vous devez essayer de dire, maintenant, si on fait cette formation, si elle est vraiment utile, il faudrait qu'on baisse par deux nos absences du travail. Il faudrait, donc voilà, essayer d'avoir des indicateurs de résultats qui soient qualitatifs et pas que des indicateurs de résultats qui soient quantitatifs, le nombre de formations qu'on va avoir, la durée des formations, etc. Donc ça, c'était un point sur le Papri Pact. Il y a eu encore des décrets au mois de mars, des décrets du mois de mars qui nous disent que, en fait, le Papri Pact, c'est un programme annuel, mais vous voyez bien, nous dit le décret, que si j'évalue un nouveau risque et qu'il y a des actions à mettre en place, ben, je n'atteins pas l'année prochaine pour les mettre en place. Si nécessaire, je peux déboucher sur une action de prévention, mettre en place de suite. Donc là, je reprends mon Covid, là, qui arrive en janvier, février, on commence à en entendre parler. Au mois de mars, il y a un confinement. Eh bien, je mets à jour mon document unique. Je dis que désormais, il faudra des masques, des façons de travailler différentes. Eh bien, ces actions-là, elles ne vont pas être mises à jour dans le Papri Pact 2021. Non, c'était dès le jour même, dès la semaine d'après, où on modifiait l'organisation du travail, où on équipait différemment les travailleurs. Donc là, on fait bien le lien entre le constat du risque et son obligation d'action. Le décret donc rappelle le rôle acteur du CSE, hein, qui participe, précise la polyexposition aux agents chimiques, précise l'accès aux documents uniques pour les anciens travailleurs. Hein. Je suis retraité de l'entreprise où j'ai travaillé chez vous il y a 3 ans. Je veux avoir accès aux documents uniques, hein, en lien avec l'archivage dont je parlais. Et rappelle, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'avant le déploiement de la plateforme, l'employeur, en attendant d'aller chez son prestataire déposer le document unique, hein, sur les plateformes qui sont labellisées pour ça, ben, il conserve en interne les différentes versions. Cédric, excuse-moi, j'ai une question sur le Papri Pact. Oui. C'est bien un programme annuel. Le caractère annuel du programme est d'ordre public ou est-ce qu'il est possible d'y déroger par accord, d'avoir une périodicité, par exemple, plus longue je ne pense pas. Mais alors, si ce n'est pas le cas, ma question, c'est en termes de consultation du CSE sur ce Papri Pact, s'il est, de mémoire, il s'accole à la consultation sur la politique sociale, je crois. Oui, c'est ça. Et si on a décidé d'une autre fréquence de consultation qu'une fréquence annuelle sur la politique sociale, il faut quand même consulter tous les ans le CSE sur le Papri Pact ? Oui, bien sûr. Tous les ans ? Oui. Ok. Je vérifierai, je vous mettrai dans le slide, mais à mon sens, oui, puisque ça, il y a vraiment un lien désormais. Enfin, moi, je dirais même à chaque fois qu'il est modifié. Si, parce que quand vous allez être consulté sur le document unique, s'il y a une action de prévention à mettre en œuvre, hein, dit le décret, si nécessaire, ça doit déboucher immédiatement sur une action de prévention, bah, du coup, ça modifie le Papri Pact. Donc, quand vous êtes consulté sur le document unique, c'est à vous de dire que vous êtes avoir un avis défavorable sur la consultation parce qu'il y a une action de prévention qui devrait être en œuvre, mise en œuvre et de suite. Vous voyez, dans l'entreprise, vous analysez un accident, un risque qui se révèle par un accident du travail auquel on n'avait pas pensé, le risque n'était pas présent dans le document unique, on est en début d'année, ben, faut pas attendre de mettre en place d'action de prévention l'année prochaine. On va modifier le document unique et vous allez faire des propositions de nouvelles mesures de prévention et elles doivent intégrer le plus rapidement possible. Merci. Voilà. Après, sur le... Enfin, je regarderai mieux pour faire un complément d'informations là-dessus. Donc là, je termine sur le document unique. Donc, d'autres termes, donc diverses mesures. Donc, il y avait un petit flou, on va dire, qui était entretenu par les employeurs ou certains organismes de formation sur la durée des formations des élus en matière de santé et sécurité. En fait, ce qui était clair, c'est que quand on était dans une entreprise de plus de 300 salariés, la formation était de 5 jours. Et puis, en dessous de 300 salariés, on ne savait pas trop la durée de la formation, le question-réponse... qu'avait fait le ministère, il était soumis à interprétation. Donc là, maintenant, la loi vient nous dire clairement que la formation, elle est de 5 jours pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, même si on est une entreprise de moins de 50 salariés, on a une formation santé et sécurité qui dure 5 jours. Donc, il n'y a plus des formations d'un jour, 3 jours, 5 jours. Premier mandat, formation de 5 jours. Tout le monde, hein, vous savez que c'est à la fois les titulaires et les suppléants. Et ensuite, on est venu préciser qu'en matière de renouvellement de mandat, donc j'ai été élu au CSE en 2020, puis je serai de nouveau réélu en 2024, si je me représente et que ma liste est élue, et bien donc c'est mon deuxième mandat. Si je suis dans une entreprise où je suis membre de la commission santé et sécurité, j'aurai 5 jours de formation de renouvellement. Si je ne suis pas membre de la formation, si je suis pas membre de la commission ou que je suis dans une entreprise où il n'y a pas de commission, et bien ma formation de renouvellement est de 3 jours. Donc, formation initiale pour tout le monde, 5 jours. Renouvellement, 3 jours.
sauf si je suis dans la CSSCT, où là, le renouvellement est de 5 jours. Ça, c'est un point qui est quand même important. Vous savez, les syndicats, quand on est passé au CSE, tout le monde a dit ah, ben, c'est pour tuer le CHSCT. Avant, on avait des élus qui étaient experts en santé et sécurité, qui emmerdaient beaucoup l'empereur avec plein de questions, etc. Et donc, on va diluer tout ça dans le CSE. Et en fait, moi, je me rends compte que la formation, c'est un enjeu important parce que dans les entreprises où tous les élus, titulaires et suppléants, sont formés pendant 5 jours en santé et sécurité, eh bien là où il y avait 3-4 experts qui, en CHSCT, posaient des questions pointues, eh bien là, maintenant, tous les salariés de tous les services, de tous les métiers, de tout le périmètre de l'entreprise, tous les élus, donc, sont formés à ces questions-là. Et donc, ces questions, au lieu d'être sur certains élus, eh bien, c'est tous les élus du CSE qui peuvent poser des questions en santé et sécurité. Et donc, ben, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où les employeurs disent, ben, écoutez, avant, ben, en CHSCT, c'était assez cantonné. Là, maintenant, j'ai de plus en plus de salariés élus qui me posent des questions en santé et sécurité. Donc, voilà, c'est un peu ce que vous en faites. Soit bah, vous dites avant c'était compliqué, c'était ceux du CHSCT, puis ils sont partis à la retraite et nous on ne sait pas faire. Soit vous dites bah, allez, on va jouer le jeu, on se forme tous, titulaires et suppléants, et donc on va pouvoir mettre toutes ces questions de santé et sécurité sur la table. Et bien ça, dans les entreprises où les élus ont joué le jeu, et bien l'employeur regrette presque l'époque du CHSCT, quoi, hein, puisque là désormais il a beaucoup plus de salariés qui sont sensibilisés à ces questions et qui posent des questions. 3 jours pour les anciens élus et les nouveaux sur la même liste. Non, c'est pas par liste hein, que ça se réfléchit, c'est par élu. Est-ce que c'est mon premier mandat ou est-ce que mon mandat est renouvelé? Peu importe la liste, hein, je me suis présenté sans étiquette, j'ai fait un premier mandat, j'ai adhéré à un syndicat et donc je suis sur une liste syndicale désormais qui vient de s'implanter dans l'entreprise, ben, c'est quand même mon deuxième mandat, même si c'est la première fois que la CFE-CGC présente des candidats ou la CFDT ou la CGT présente des candidats à l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça. Alors, ça, c'est un peu un flou, ça. Je vois ta question, Corinne. On peut demander 2 jours de formation supplémentaire pour les membres du CSE qui ont juste 3 jours de formation initiale. Alors, puisque depuis le 31 mars, la formation est de 5 jours, si c'est votre premier mandat et que vous avez eu 2 jours de formation, bah, à mon sens, vous pourriez demander 3 jours complémentaires. Alors, je vous dis ça, alors je vous dis de suite que je sais que certains avocats employeurs tiennent le discours inverse, hein, vont dire, ben non, Corinne, vous avez eu vos 2 jours de formation à une époque, vous avez eu vos 3 jours de formation initiale à une époque où le Code du travail disait c'est 3 jours la formation initiale, votre formation initiale est faite et vous ferez vos 3 jours prochains au renouvellement. Donc, tant que les tribunaux n'ont pas à trancher, hein, les avocats, parce que des fois, ils posent la question, quand on leur demande, et dans ce cas-là, etc., ils me répondent qui me paye, quoi. Si je dois défendre un employeur, je vais te dire non. Si je dois défendre des salariés, je vais te dire oui. Donc, nous, puisqu'on est un organisme de formation qui est plutôt orienté vers les représentants du personnel, on aurait tendance à vous dire ça. En tout cas, ça ne mange pas de pain de tenter d'envoyer un devis en disant, il faut une demande d'autorisation absence pour compléter ma formation à mon premier mandat. Et puis, si jamais juridiquement l'employeur s'y opposait, on pourrait rentrer plus dans le détail avec nos avocats pour voir quel est le point. Mais comme ça, première intention, c'est plutôt de dire oui, si tu as un mandat en cours, ben, c'est les règles en cours qui s'appliquent, quoi. Hop. Bon, j'avais mis une slide, mais peut-être vous savez ça. Hein. Souvent, on pose des questions. Est-ce que la formation est obligatoire? En fait, ce n'est pas trop comme ça qu'il faudrait poser la question. C'est est-ce qu'elle est d'office ou est-ce qu'elle est de droit? C'est-à-dire, il y a des élus qui disent oui, mais moi, je n'ai pas été formé. Oui. Parce que c'est pas, on dit obligatoire, mais en fait, ce n'est pas une formation qui est d'office. C'est-à-dire que quand vous êtes élu, l'employeur n'a pas l'obligation de vous envoyer en formation. Elle est en fait de droit. C'est-à-dire que dès que vous êtes élu, vous pouvez demander cette formation. Il devra obligatoirement la financer et il ne pourra pas vous la refuser. Et ce n'est pas à lui de mettre en œuvre. Il n'y a pas longtemps, là, on me posait la question. Vous savez que c'est un droit individuel de chaque élu de choisir son organisme de formation. Ce n'est pas l'employeur qui peut vous l'imposer. Donc ça, c'est un point d'attention à avoir. Quand l'employeur vous dit, bah, écoutez, j'ai trouvé un organisme de formation, renseignez-vous. Est-ce que ça vous dit d'aller faire avec cet organisme de formation ou est-ce que vous dites, maintenant, moi, je vais trouver un organisme de formation qui va être plus sensible à la défense des droits des salariés, quoi, hein. Moi-même, en tant que formateur indépendant, je disais cette anecdote, une fois, je travaillais pour la première fois pour un organisme, le responsable d'organisme de formation m'a rappelé, il m'a dit, bah, écoute, ta formation, c'était bien, mais écoute, tu leur en as trop dit, là, hein, la prochaine fois, tu ne développes pas autant, etc., parce qu'après, ils sont rentrés dans l'entreprise, et ils ont un peu challengé l'employeur, ils ont dit tout ce qui n'allait pas, donc ça ne va pas trop, hein, ce n'était pas ma façon de faire, j'ai arrêté avec cet organisme, donc voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Hop.
Il y a une obligation désormais, vous savez, alors ça aussi, c'est en tant qu'élu CSE, c'est une question que vous pouvez poser à l'employeur. Vous savez que l'employeur doit désigner un salarié compétent pour faire de la prévention. Alors, dans les entreprises industrielles, c'est souvent l'ingénieur QHSE, etc. Mais voilà, même si on est dans le tertiaire ou dans les services et qu'on est une entreprise de 60 salariés et qu'il n'y a pas de risque chimique ou qu'on ne travaille pas sur des machines-outils, il faut que l'employeur nous dise, ben voilà, c'est un tel, souvent quelqu'un de l'équipe RH ou un des cadres, qui va être le salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et prévention des risques professionnels de l'entreprise. Et donc, là, vous voyez, tout à l'heure, je disais d'office ou de droit, ben là, c'est sans qu'il ait à la demander. L'employeur, à partir du moment où il a désigné, il vous a dit, c'est Monsieur Martin qui sera le salarié compétent, notre cadre qui s'occupera des actions de prévention, eh bien, d'office, je dois l'envoyer en formation. Donc ça, vérifiez, vous, en tant qu'élu CSE, c'est l'autre côté du miroir, c'est quand vous avez demandé ben, qui est le responsable, le salarié compétent, hein, quand vous ne savez pas trop qui c'est qui est responsable de ça, quand on peut avoir dit ben, j'ai désigné un tel, ben, vous pouvez dire ben, à quelle date vous l'envoyez en formation, parce que si vous, en tant qu'élu, ben, vous êtes formé 5 jours, eh bien lui, quand vous allez lui parler de documents uniques, qu'il faudrait le rédiger comme ceci, qu'il faudrait mettre tel risque, telle action de prévention de Paris Pacte, il ne faut pas qu'il vous dise mais qu'est-ce que c'est un Paris Pacte ? Si l'employeur a décidé que c'était lui le salarié compétent, eh ben, il doit pouvoir utiliser les mêmes mots que vous, comprendre ce que c'est une inspection, ce que c'est votre rôle, etc. Donc, il faut que cet interlocuteur que vous désigne l'employeur soit parti en formation. Alors ça, je le dis, dans les droits d'entreprise, c'est fait. Chez Michelin, il y a déjà un salarié compétent qui est désigné, c'est l'ingénieur du service sécurité, etc. Il est déjà formé, il a son bac plus 5 en sécurité. La question se pose plus dans les petites entreprises, souvent. Donc, dans les nouveautés, mais je vous en ai parlé un petit peu, là, la nouveauté du passeport prévention, c'est-à-dire qu'on va avoir ce document qui va vous suivre même en dehors de l'entreprise, où on va un petit peu expliquer la liste des formations que vous avez en matière de santé et sécurité. Voilà, donc une liste d'exemples de formations. Vous êtes habilité électrique, vous avez fait une formation incendie-évacuation, vous êtes sauveteur secouriste du travail, ben, vous changez d'entreprise, vous ne repartez pas à zéro, vous pouvez montrer à votre nouveau employeur tout ce que vous avez déjà fait en la matière. Je fais vite là-dessus. Donc ça va rentrer en vigueur au 1er octobre 2022. Hein. Je vous ai dit que la loi avait décalé certaines entrées en vigueur. Un changement sémantique aussi. Hein. On passe de la qualité de vie au travail, de la QVT. Maintenant, il ne faut plus parler de QVT, il faut parler de QVCT. Donc de la qualité de vie et des conditions de travail. En fait, là, vous voyez ça. Hein. Dans certaines entreprises, la qualité de vie au travail, c'est ben, on va mettre un baby-foot à la salle de pause. Ouais, mais si j'ai trop de dossiers, qu'on n'est pas assez nombreux et que mon manager me parle mal et que je n'ai pas le temps d'y aller faire du baby-foot, ça ne va rien changer, quoi. Donc, non. Ce qui fait que la qualité de vie au travail s'améliore, ce qui fait que les risques psychosociaux s'améliorent, c'est qu'on rentre dans le fond des choses. Hein. Quelle est ma charge de travail, quelles sont les relations que j'ai avec mes collègues, avec les clients, etc. etc. Et donc, il ne faut pas parler que de qualité de vie au travail, il faut parler aussi des conditions de travail. Et donc, l'employeur et le législateur est venu rajouter ce C de conditions de travail. Hein. Si je veux faire évoluer le travail, je dois rentrer au cœur des choses. Donc ça, ben, cette négociation, c'est les délégués syndicaux, ce n'est pas forcément les élus au CSE, mais les élus au CSE, vous avez vu que s'ils ont tenu leur rôle d'aller vérifier si dans le document unique, il y avait bien les risques psychosociaux, et quels risques psychosociaux, quels étaient les facteurs de risque qui étaient identifiés par l'employeur, eh ben, ils peuvent interpeller les délégués syndicaux en disant, ben, quand vous allez négocier sur la QVCT, voilà les risques que nous, qu'on a identifiés. Il y a des problèmes avec le manager, il y a des problèmes de surcharge de travail, voilà ce que vous pourriez négocier là-dessus. Donc, c'est un nouveau thème de la NAO, c'est ce que je vous disais. Hop. La question donc, du harcèlement sexuel qui a évolué. Donc, ça, c'est une définition, enfin, c'est entrée en vigueur au 31 mars dernier. Je souris parce qu'en fait, cette semaine-là, j'étais en formation et pour présenter avec mes stagiaires, je leur ai dit, ben, je crois que je lui ai dit ça, lui, sinon. Je disais aux stagiaires, ben, la définition du harcèlement sexuel, ça change tous les jours. Et donc, je leur ai montré le 30 mars, on est allé sur Légifrance, il y avait une définition. Puis le lendemain, on devait parler du harcèlement sexuel, on a vu qu'il y avait une définition nouvelle. Bon, ben, après, je leur ai dit que c'était plaisanterie, que ça n'avait pas changé depuis quelques années et que c'était ce jour-là, la date où ça changeait. Donc, alors, donc on est venu modifier. L'idée, c'était d'harmoniser avec le code pénal. Donc, il y a deux évolutions. Alors, je vous ai mis le nouvel article en entier. On va faire des focus. En fait, les évolutions, c'est ça, là, ce rajout du mot sexiste. Et puis, les deux points que j'ai soulignés, là. Donc, je vais faire des focus là-dessus. Alors, le premier point, c'est qu'avant, on distinguait bien le comportement sexiste du comportement à connotation sexuelle. Et vous savez que la difficulté, des fois, c'est de caractériser, hein, de pouvoir prouver qu'il s'est passé ceci ou cela. Mais puisqu'il fallait
avoir des comportements ou des propos répétés, j'arrivais à prouver une chose à caractère sexuel. Et puis, il y avait une autre remarque que tout le monde a entendue. Mais là, le harceleur se défaussait en disant « Oui, mais cette remarque-là n'était pas à caractère sexuel, elle était à caractère sexiste. » Donc, je ne peux pas l'additionner à la première remarque pour que ça soit des comportements répétés. Et en fait, le législateur nous dit tout ça découle des mêmes procédés. Donc, si vous avez dans le lot des comportements ou des propos à connotation sexiste, eh bien, ça peut suffire à caractériser les faits de harcèlement sexuel. Vous savez que pour les faits, donc, dans la définition, je suis passé vite, hein, mais je vais peut-être la remettre, on distingue deux types de harcèlement sexuel, soit les propos ou les comportements à connotation sexuelle et désormais sexiste respecté, soit le harcèlement sexuel de type 2. Là, c'est plus qui est assimilé au harcèlement sexuel. Ça, c'est quand il y a la forme de pression grave, c'est le chantage. C'est-à-dire, si tu veux avoir ta période d'essai, il faut qu'on ait une relation sexuelle, si tu veux avoir ton augmentation, si tu ne veux pas être licencié, etc. Donc, tout ce qui était assimilé au harcèlement sexuel, un fait grave, il ne fallait pas de répétition. Mais dans la première partie de la définition, il fallait des répétitions et des fois se mélanger des propos à caractère sexiste. L'agissement sexiste, c'était une incrimination différente. Là, on nous dit les deux peuvent permettre de caractériser le harcèlement sexuel. Et la deuxième évolution, c'est ce qui avait été l'évolution dans le code pénal qui visait, vous savez, les raids numériques. C'est-à-dire que, imaginez qu'une lycéenne mette une photo d'elle à la plage sur Instagram. S'il y avait un garçon de sa classe qui fait des remarques désobligeantes, s'il en fait plusieurs, eh bien, on pouvait dire c'est du harcèlement. Les remarques à connotation sexuelle, c'est du harcèlement sexuel parce que ce garçon a fait plusieurs remarques sur plusieurs photos, etc. Bon, ça, c'était clair. Par contre, si ce n'était pas le même garçon de la classe, si c'était quatre garçons différents de la classe qui faisaient des remarques, ce n'était pas du harcèlement sexuel. Parce qu'on se mettait côté harceleur en disant que chacun d'eux avait agi qu'une seule fois. Alors qu'en fait, côté victime, c'est presque pire d'avoir plusieurs garçons de la classe qui me font des remarques désobligeantes que s'il n'y en a qu'un seul. S'il n'y en a qu'un seul, je le bloque, je passe à autre chose, je m'assis à l'opposé de lui dans la classe. Si c'est tous les garçons de la classe qui ont fait chacun une remarque, ce n'est pas du harcèlement sexuel, mais pour la victime, c'est presque pire, quoi. Et donc, le code du pénal avait élargi cette situation, et donc on fait pareil dans l'entreprise. Donc on nous dit que vous subissez des comportements ou des propos de nature sexuelle qui viennent de plusieurs personnes, soit parce qu'elles se sont concertées, c'est-à-dire que la réunion d'équipe, il y a Robert qui a dit à Jean-Paul et à Martin, tiens, quand une telle va arriver, on va lui faire une remarque, mais pour pas que ça doive durer récemment, un jour ça sera toi, un jour ça sera moi, etc. Donc soit ils se sont concertés, soit c'est à l'instigation de l'un, c'est l'un qui a proposé, alors même que chacun a dit qu'une fois. Et nous dit même le Code du travail, même en l'absence de concertation, s'ils savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition, je disais en même temps, là, Stéphane qui disait comment prouver la concertation, mais ça, c'est ce qui est compliqué, mais vous voyez qu'on n'a même pas besoin de prouver la concertation, il suffit que vous savez, c'est-à-dire que chacun sache. Donc je suis une femme, je suis dans une réunion, il y a une réunion d'équipe tous les lundis, un jour c'est Robert qui fait une remarque désobligeante, tout le monde l'entend, et puis Martin me fait une remarque aussi sur ma tenue le lundi d'après, etc. À chaque fois, c'est quelqu'un différent, mais puisqu'il était présent à la première réunion où un tel a dit quelque chose, eh bien, il savait. Et donc, quand il a fait sa remarque à lui, ce n'est pas une remarque qui est isolée, elle s'inscrit dans le fait qu'il sait qu'il y a déjà eu ce type de remarque. Et donc, ça s'inscrit dans cette répétition. Hein. Le but, c'est de se positionner du côté de la victime. Voilà. Si par contre, on n'arrive pas à prouver que chacun a su, c'est-à-dire que si un jour Jean-Paul me fait une remarque sur le parking et puis 6 mois après Robert me fait une remarque seul dans l'ascenseur, pour la victime c'est grave, mais si j'arrive pas à prouver qu'ils se sont échangés entre des mails, que je l'avais dit qu'il m'avait fait ça et qu'il était au courant, etc., je ne pourrais pas prouver le fait qu'il savait ou qu'il s'était concerté, etc. Donc ça, je ne vais pas rentrer encore une fois sur tout ce que ça peut soulever, mais alors en termes de, parce que l'idée c'était de comprendre pour agir, en termes d'action, vous savez que dans le CSE, il y a un référent sur ces questions-là, le référent sur ces questions-là, il doit se former, c'est une formation, une journée, on essaye de balayer toutes les questions que vous posez, vous voyez bien que là, je termine en 5 minutes, on ne peut pas faire la formation d'une journée sur le harcèlement sexuel en 5 minutes, mais pareil, la formation d'une journée, c'est comprendre pour agir, comment on peut prouver, quelles preuves sont recevables, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc là, vous, en tant qu'élu CSE, le premier point, c'est vérifier qu'il y a bien un référent harcèlement sexuel parmi vos élus, de vérifier ensuite qu'il est bien formé,
Et souvent, l'idée, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que il ne faut pas se dire, ah ben, nous, on n'a pas trop de cas, je me formerai si un jour j'ai le souci. Non. Il faut pouvoir être formé à l'avance, parce que c'est le jour où vous avez un appel téléphonique. Je travaille à tel endroit, j'ai vu que c'était vous, que c'était toi, le référent harcèlement, j'ai telle question, il m'est arrivé ça. Ben, il faut que vous ayez déjà réfléchi à ces questions-là. Il faut aussi anticiper la formation, parce qu'à la formation, vous allez voir qu'il faut mettre en place des process dans l'entreprise. Et ces process, la bonne pratique, c'est de les mettre en place à froid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir le premier cas et on discute comment on va traiter le cas. Parce que je caricature, si le premier cas, c'est Jean-Paul de l'accueil, ben, vous allez voir que l'employeur, il ne va pas tergiverser. On va mettre à pied Jean-Paul, on va faire l'enquête, on va vous laisser faire une enquête, etc. On va le licencier parce que c'était abusif. Par contre, je vois des grosses entreprises où le premier cas qui se présente, ah ben, c'est le directeur général adjoint du groupe. Donc, c'est le gars avec la Légion d'honneur, le costume trois pièces, etc., qui est accusé d'avoir dit ça à tel cadre. Bon, mais quand vous discutez process avec l'employeur, c'est pas comme si c'était quelqu'un de l'accueil. La DRH vous dit oui, mais c'est mon supérieur hiérarchique, quand même, je ne vais pas pouvoir le mettre à pied, je vais pas, etc. Si on a réfléchi à froid à un process en disant ben, dès qu'il y a une plainte, on sépare les protagonistes, on fait ceci, on fait systématiquement une enquête, et vous voyez que si un jour ben, c'est le directeur général adjoint, eh bien, on va mettre en place aussi le process qui a été discuté à l'avance. Donc c'est bien de discuter d'un process avant que le premier cas se présente, parce que sinon, en fonction de la hiérarchie dans laquelle la personne du harceleur, eh bien, on va avoir des process à minima ou des process à maxima, et il faut trouver. Juste milieu. Et aussi faire de la prévention, c'est pas que traiter les cas, c'est aussi sensibiliser tout le monde. Et donc ben là, vous savez que la définition a évolué au 31 mars. Donc c'est aussi en tant qu'élu l'occasion de mettre sur la table lors d'une prochaine réunion CSE, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir le harcèlement sexuel? Puisque la définition a évolué, c'est peut-être le bon moment pour prévoir des temps de sensibilisation hein, avec tout le personnel. Alors, ce n'est pas forcément tout le monde qui va partir en formation d'une journée sur le harcèlement sexuel, mais c'est de dire à l'employeur, ben, est-ce que vous avez sensibilisé les managers? Est-ce que les managers, lors d'une prochaine réunion d'équipe, ils ne peuvent pas en parler 10 minutes, un quart d'heure? Enfin, voilà. C'est ça les actions de prévention, d'information, de sensibilisation que peut mettre l'employeur. Et vous, en tant qu'élu, c'est intéressant pour vous, parce que si on met en place des actions de prévention, ben, tout le monde va mieux savoir et peut-être les comportements qui étaient déviants vont stopper, mais aussi peut-être que la parole de certaines victimes va se libérer et donc des personnes qui vivaient mal certaines situations dans l'entreprise, vous avez fait ces actions de sensibilisation, on leur a rappelé qu'il y avait un référent, bah, peut-être vous vous interpellez en disant bah, suite à ce qu'on a dit en réunion, bah, moi, puisque ça c'est bien du harcèlement, bah, moi je le vis aussi dans mon service, etc. Vous voyez que vous pouvez vous servir de cette nouvelle évolution de la définition pour dire à l'employeur que ben, ça ne serait pas l'occasion de refaire une piqûre de rappel, de réexpliquer tout ça. Tac, tac, tac. Et puis, j'avais mis une décision là, de jurisprudence récente. L'employeur, à l'issue des enquêtes qu'il met en place, hein, il a l'obligation de sanctionner. Et on nous dit qu'un simple avertissement, c'est un peu léger. Et donc là, c'était une salariée qui avait été victime de harcèlement sexuel. L'employeur avait fait une enquête, avait reconnu qu'il y avait du harcèlement sexuel et avait donné un avertissement à ce salarié. Et la personne a dit, ben moi, je ne suis pas suffisamment protégé. Il a juste été averti. Donc, en gros, on lui a fait comprendre qu'il pouvait continuer, à mon sens. Donc, je demande la résiliation judiciaire de mon contrat de travail. Et le juge vient de me dire, oui, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité à votre égard puisqu'il a juste averti. Alors, il n'a pas l'obligation de sanctionner l'auteur du harcèlement, mais il doit lui mettre une sanction qui, quand même, va marquer le coup et va lui faire comprendre qu'il ne faut plus qu'il recommence. Et l'avertissement, nous dit la Cour de cassation, n'est pas à même de faire cela. Je vais déborder un petit peu puisque je voulais vous parler maintenant des points concernant la lutte contre la désinsertion professionnelle. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Hein. C'est des nouveaux outils qu'ont l'entreprise, que vous devez connaître pour vérifier que l'entreprise oublie ces outils. Donc, un premier outil, c'est la nouvelle visite de mi-carrière. On est venu nous préciser que c'est à défaut durant l'année civile de leur 45e anniversaire ou si un accord de branche détermine cela à une date différente. Mais l'idée, vous voyez, c'est que, et ça fait le lien quand même avec les discussions qu'il y a, alors je ne vais pas rentrer dans le débat politique, hein. Moi je suis plutôt contre le fait qu'on modifie l'âge de la retraite à 65 ans, etc. Mais à part juste vous dire mon opinion, ça va pas, hein, que chacun dise son opinion, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous voyez que souvent, la question qu'on pose, c'est en fait, 65 ans, dans certains métiers, on n'y arrive pas à travailler jusqu'à 65 ans, parce qu'on a des problèmes de dos, parce qu'on a des problèmes d'attention, on n'a pas le même physique, la même disponibilité, etc. Donc vous voyez bien que le travail des seniors, c'est plus compliqué, pas juste parce que les employeurs ne veulent pas embaucher, mais quand on est senior, c'est plus compliqué de travailler. Et donc l'idée du législateur, c'est de dire, ben, au lieu d'attendre
comprendre que un tel ait des problèmes de dos, qu'il aille voir l'employeur et que l'employeur dise bah, maintenant je mets des restrictions médicales, pas de port de charge supérieur à 15 kg. Bah, l'idée, c'est que tout ça soit anticipé et que les médecins du travail, désormais, lorsqu'ils vous voient lors de la nouvelle visite de mi-carrière, ils vous disent bah, voilà, vous avez 45 ans, vous êtes ouvrier dans la logistique, eh bien, je ne vais pas attendre que vous ayez des problèmes de dos. Je vais voir avec votre employeur s'il ne peut pas limiter, s'il ne peut pas vous donner dès maintenant une ceinture pour le dos de protection, s'il ne peut pas limiter le port des colis que vous allez charger, s'il ne peut pas vous équiper, si vous êtes dans un bureau, d'une souris verticale pour ne pas avoir des problèmes de canal carpien, hein, l'idée de la prévention primaire, c'est-à-dire de ne pas attendre et de traiter les problématiques, d'essayer de les anticiper et de vous dire, bah, vous, dans tel métier, effectivement, on sait qu'il y a des métiers où on ne va pas jusqu'à 65 ans, on ne va pas jusqu'à 60 ans. Si vous êtes dans la logistique de la grande distribution, vous êtes préparateur de commandes, dans aucune entreprise, il y a des gars qui ont 60 ans qui font ça. Bah, l'idée du législateur, c'est bah, à 45 ans, s'il y en a qui ont 45 ans, on va dire, bah, désormais, on fait des restrictions, on fait des limitations pour que vous puissiez continuer à travailler le plus tard possible. Donc, ça, c'est le premier outil. Donc, voilà, je vous ai mis les objectifs, je vous ai expliqué, vous lirez ça à tête reposée. Et donc, l'employeur, le médecin du travail, pardon, aura la faculté de proposer dès cette nouvelle visite de mi-carrière, des aménagements, des adaptations, des transformations de poste, un peu les restrictions qu'il faisait lors des visites de reprise ou de pré-reprise, eh bien non, là, désormais, il peut le faire en anticipant. Un autre outil, c'est le rendez-vous de liaison. Alors, le rendez-vous de liaison, c'est venu un petit peu, alors, des fois, il faut aussi comprendre la position des employeurs. Moi, quand j'étais au conseil de prud'homme, quand il y avait des questions de harcèlement ou quoi, si quand le salarié est arrêté, l'employeur avait cherché à rentrer en contact avec lui, l'avocat du salarié nous disait bah, « Écoutez, regardez, c'est scandaleux, alors qu'il était en arrêt de travail, son employeur cherchait à le contacter pour lui mettre la pression, etc. » Puis au contraire, si l'employeur n'avait pas cherché à le contacter en disant bah, « Il est en arrêt de travail, on lui parlera du travail lorsqu'il va reprendre. » on nous soulignait « Regardez, aucune prise de nouvelles, il a été absent pendant un an, on n'a jamais pris de ses nouvelles, on n'a jamais dû demander comment il allait, s'il comptait reprendre, etc. C'est scandaleux. » Donc, l'employeur, s'il téléphonait, ça n'allait pas. S'il téléphonait, ça passe, ça n'allait pas non plus. Donc, bon, je schématise, ce n'est pas que pour ça qu'on a mis en place le rendez-vous de liaison. Mais il y a cette idée-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un rendez-vous médical, c'est le fait pour l'employeur et le salarié d'avoir un cadre pour se reparler qui soit protecteur de l'employeur, hein, c'était ça, hein, le gouvernement actuel, il est pro-business, hein, s'il a fait ça, c'est pour les employeurs, mais c'est aussi les salariés qui peuvent s'en servir, hein, c'est-à-dire que si vous, vous avez un salarié qui vous appelle en disant bah, « je suis arrêté depuis… » Alors, on nous dit maintenant, un décret est venu préciser que c'est pour tout arrêt de travail de moins de 30 jours. Un salarié qui est arrêté depuis plusieurs mois, il ne sait pas trop s'il va reprendre. Vous lui parlez des visites de pré-reprise, des visites de reprise. Donc, ça, c'est la visite médicale. Mais il dit, oui, mais est-ce que l'employeur, il va me garder, est-ce qu'il va aménager, etc. Voilà. Un cadre de discussion sur la reprise éventuelle du travail qui n'est pas un cadre médical. Voilà. Ce n'est pas une visite médicale. C'est le fait de pouvoir se reparler durant l'arrêt de travail entre salarié et employeur. Et le service, le médecin du travail, donc où, un infirmier en pratique avancée, etc., du service, peut être associé pour pouvoir avoir un avis médical si nécessaire lors de ce rendez-vous de liaison. C'est pas un rendez-vous de caractère médical. Il y a une autre notion qui a été fixée, donc ça, c'est dans un décret publié au 17 mars 2002, c'est la notion d'essai encadré. C'est-à-dire que avant, l'employeur vous voyait, et le médecin du travail, vous voyez, en visite de pré-reprise, et il devait prendre, ou en visite de reprise, et il devait prendre des restrictions, etc. Là, en fait, vous avez été opéré du dos, vous reprenez le travail, eh bien, le médecin du travail va faire un essai encadré, c'est-à-dire qu'on va, vous allez pouvoir tester votre capacité à reprendre votre poste, et on va pouvoir tester, est-ce que si je mets telle restriction, ça va aller, ou est-ce que ça ne va pas aller, etc. Donc, c'est une forme de, au lieu d'être tout ou rien, on met une période un peu d'essai où, par exemple, je vais dire, ben, vous, est-ce que vous pourriez porter des colis jusqu'à 10 kilos? Ben, je ne sais pas trop. Ben, écoutez, on met jusqu'à 10 kilos, on voit comment ça se passe. Et si ça va, ben, je laisse comme ça. Si vraiment ça vous fait trop de problèmes de dos, ben, on verra, vous serez inapte ou je restreindrai encore à 5 kilos, etc. Après, sous-tendez que ça soit possible avec votre poste, hein, qu'il y ait des colis de toute taille, etc. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'a le médecin du travail. Vous, en tant qu'élu, il faut la connaître. Parce que des fois, les médecins de travail ne sont pas proactifs. Hein, donc, c'est à vous de dire aux salariés, est-ce que tu ne pourrais pas solliciter le médecin du travail pour qu'il fasse un essai encadré, ou etc. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai un problème avec le partage d'écran, je suis désolé.
Oui, alors le fait que les visites de reprise et de pré-reprise remontent au niveau législatif, bon, ça, c'est pas trop d'importance là. Le suivi médical post-professionnel, donc ça, c'est aussi important, hein, c'est l'idée que c'est plus obligatoirement une faculté qu'a le médecin du travail, ça va être une obligation. Pour certains risques, hein, qui sont listés, notamment pour les risques chimiques, il y aura l'obligation de ce suivi post-exposition. Hein, c'est un peu le lien avec, oui, qu'il y a une cohérence d'ensemble, hein, avec ce qu'on disait sur la traçabilité collective avec le document unique. Ben, là aussi, une obligation. Vous avez été exposé à un risque particulièrement dangereux. Eh bien, vous allez avoir un suivi médical renforcé, comme si vous étiez resté dans l'entreprise exposé à ce risque dangereux. Tac, tac, tac. Et un dernier point, vous savez, on a beaucoup parlé du document unique, mais vous savez que les risques professionnels auxquels sont confrontés les salariés des entreprises extérieures, c'est-à-dire que vous travaillez pour un donneur d'ordre qui fait venir des sous-traitants ou des co-traitants dans son entreprise, vous devez faire un plan de prévention. Là, dans les grosses entreprises, notamment les entreprises via un service de santé au travail autonome, eh bien, ces services de santé au travail autonome doivent pouvoir aussi assurer le suivi des salariés des entreprises extérieures. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Puisque je suis la grosse entreprise, j'ai un service interne de médecine du travail qui suit mes propres salariés. Si les sous-traitants ben, travaillent dans les mêmes conditions que la grosse entreprise qui les emploie et qui est le donneur d'ordre, eh bien, ce service de santé peut se saisir aussi de ces questions-là. Donc ça, en tant qu'élu, quand vous êtes consulté sur le plan de prévention, c'est aussi un point que vous pouvez mettre en œuvre, de demander pourquoi notre service. Alors, si vous n'avez pas un service de santé au travail autonome, hein, si vous descendez du service de médecine du travail de la ville, eh bien, vous ne pourrez pas mobiliser ça, mais ça. C'est un point qui peut être intéressant. Tous les travailleurs des entreprises extérieures, si vous avez votre propre service de santé au travail autonome, hein, au sein de l'entreprise, ils peuvent être aussi suivis par votre propre service, par votre propre service de santé au travail autonome. Voilà, j'ai essayé de faire vite sur les derniers points, mais vous pourrez lire ça à tête reposée. Voilà les points que je voulais balayer. Alors, je n'ai pas balayé, hein, je vous avais dit en préambule, toutes les avancées, notamment toutes les nouvelles organisations de services de santé au travail. Voilà, j'ai essayé de prendre des points sur lesquels vous pouvez prendre appui pour agir en tant qu'élu. Cédric, tu as quelques deux petites questions dans le fil de conversation. L'une de Stéphane sur le suivi. Concerne-t-il les métiers reconnus dans la pénibilité au travail? Alors, je ne sais plus à quel moment la question a été posée, sur de quel suivi il s'agissait. Stéphane, le suivi, il portait sur à quel moment de la conversation? Et peut-être la C'est deuxième pas tous les question. critères de la pénibilité. Il faut aller regarder l'article. Un suivi chimique, ok. Je l'ai mis là. Tac, tac. Sais plus où c'était. Sur le suivi médical post-professionnel. Ouais, voilà. Il y a une liste. Alors, je sais pas s'il y a le décret qui est sorti. J'ai plus en tête ça, mais c'est un point que je peux regarder pour compléter liste des risques. Je sais que c'était surtout chimique, hein. Après, je crois pas que ce soit tous les risques qui sont repris dans la pénibilité. Et sur les pigistes, alors là, pareil, j'ai une question de Christophe. Et encore une fois, je ne me souviens plus du slide sur lequel c'était tombé, si c'était C'était sur peut-être le suivi par le service de santé autonome. Alors, c'est pour répondre aussi à Corinne. Oui, c'est aussi les freelance. Donc, ça, c'est une particularité. Vous savez que les indépendants, ils peuvent avoir accès désormais à la médecine du travail. Ils doivent cotiser, ils peuvent adhérer en tant qu'indépendants. Donc, avant, ils n'y avaient pas accès du tout. Et bien là, il peut y avoir des conditions financières qui pourraient être mises en place, mais ça pourrait être aussi le service autonome qui suit les indépendants qui travaillent pour l'entreprise. Donc ça, c'est déconnecté du statut de salarié. Hein. Il y a de plus en plus des droits qui sont attachés à la personne du travailleur. Et donc là, vous êtes une entreprise, vous avez choisi d'externaliser. Donc il y a des salariés qui sont hors du champ de votre propre médecine du travail interne. Ben, si vous prenez une société extérieure ou si vous prenez des prestataires, donc des freelance ou des indépendants, eh bien, ils pourraient aussi être suivis par le médecin du travail, notamment s'ils font des tâches qu'auraient pu faire vos salariés ou que faisaient vos salariés avant. Pour qu'il y ait une certaine logique et que cette externalisation, ben, elle répond à des impératifs économiques pour l'entreprise, mais ça ne doit pas être du dumping sur les conditions de travail, sur la sécurité ou sur le suivi médical. C'est ça un peu l'esprit du législateur. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais qu'on a un petit peu, on s'est bon, de 11 minutes dépassé le temps qu'on avait mis en place au départ, mais est-ce qu'il y a d'autres questions que vous diriez poser?
Eh bien, écoutez, si ce n'est pas le cas sur ces doux mots, je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Merci beaucoup, Cédric, pour ces éclairages sur la loi santé et son impact sur le CSE et qu'est-ce que les élus vont bien pouvoir en faire et ce sur quoi ils doivent montrer une certaine vigilance. Le prochain webinaire n'a pas encore été décidé à ce jour, mais n'hésitez pas à vous rendre sur notre site de temps en temps. Normalement, la fréquence reste à peu près bimensuelle, entre mensuelle et bimensuelle, selon les points qui nous intéressent. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ben, merci à tous, hein. Je vois qu'il y a des retours plutôt positifs, donc merci pour ça et j'espère que voilà, non seulement vous aurez appris des choses, mais que ça vous donnera, vous serez motivé pour agir dans l'entreprise et que ça éclairera un petit peu certains points pour un petit peu titiller votre employeur sur ces questions-là et améliorer donc les conditions de travail de vos collègues. Bonne journée, bon appétit. Il y a juste le support qui est à disposition de mémoire. On peut le télécharger directement sur Livestorm en format PDF. Pour celles et ceux qui ne parviendraient pas à le faire, n'hésitez pas à m'écrire directement un mail et je vous l'enverrai sans faute. Aujourd'hui, je vous donne mon mail dans le fil de conversation. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous le transférerai si vous ne parvenez pas à le télécharger sur le site. Au revoir.